Salut tout le monde, c'est Jonathan, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Surgeon Simulator. Eh ouais, alors c'est fort possible que vous connaissiez déjà ce jeu, mais moi je connais pas parce que c'est sorti il y a pas longtemps sur le Oculus Rift. Donc c'est plutôt cool. Je vais vous expliquer pour ceux qui ne connaîtraient pas le jeu. Oh, Seigneur, c'est pas vrai ça. Allô, allô. Oui. Oui, allô. Oui. Oui, un cancer en phase terminale. Oui, oui, tout de suite. Un Doliprane, matin, midi et soir. Voilà, oui, à tout de suite. Voilà, donc le but, en fait, c'est qu'on va incarner un chirurgien, tout simplement. Et donc, va falloir soigner des gens, tout simplement. Donc, on va dire que ce sera un mini let's play, parce que je pense que c'est un jeu qui va pas être super long. Mais ça peut être cool. On va ranger le téléphone. Alors par contre, les gestes dans ce jeu-là sont très hasardeux, on va dire. C'est un petit peu compliqué, mais on va y arriver. On va y arriver bien gentiment. On va mettre la touillette dans le café. Voilà, comme ça. Et on va commencer une petite opération. Ça va être plutôt cool. En tout cas les gens, si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Ok, aujourd'hui les gens, vous pouvez m'appeler Docteur Jolatte. Vous inquiétez pas, je m'occupe de tout. Pression artérielle, ok. Caméra 1, ok. La 2, la 3, la 4, la 5, la 12, ok, ça va aller. Vous inquiétez pas mon petit monsieur, c'est pour un souvenir de famille. Vous pourrez être très content quand vous raconterez à vos petits-enfants que Docteur Jolatte vous a opéré en personne. Eh ouais, ok, c'est parti. Salut tout le monde, c'est Jolatte, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une opération à ciel ouvert, comme diraient les vrais chirurgiens. Eh ouais. Alors, allez, c'est parti, let's go. Épongette infirmière, vite. Ok, ça marche. Donc, qu'est-ce que nous avons là? Alors, on a des petits outils et tout. Ça va aller, mon petit monsieur, ça va aller, ça va aller. Qu'est-ce que nous avons là? Alors, ouvre-moi ça. Ouh, une greffe de cœur. La routine. Épongette, infirmière, épongette. Ok, ça marche. Vous inquiétez pas, ça va aller. On va opérer tout ça. Alors, mon petit monsieur, je vais vous expliquer ce qui va se passer. Merde. Ah, je me suis piqué avec l'anesthésion, je crois bien, mon vieux. Oh, merde. Vous inquiétez pas, j'ai l'habitude, ça m'est déjà arrivé plein de fois. On va faire une petite péridurale. Vous inquiétez pas, ça va pas durer longtemps. Voilà, comme ça. Voilà, impeccable. On vérifie toujours si le patient dort vraiment. Vous dormez, monsieur? Ça va aller, il dort. Impeccable. Ok, maintenant, on attaque. Vous inquiétez pas, ça va aller. Je suis très bien réveillé. On va changer ce petit cœur, mon petit monsieur. Hein? Allez. Ah, ça passe pas avec ça. Non, non, ça me plaît pas. Ça me plaît pas, cet outil. Ça me plaît pas du tout. Fous-moi ça à la poubelle. Infirmière, marteau. Ok, ça marche. On prend le marteau. Putain, c'est quand que les effets de l'anesthésion, ils se cassent, mon vieux. Attendez, je vais me piquer un coup, là. Voilà. Ah ben, ça va mieux comme ça, mon vieux. Faut aller le dire tout de suite. Vous inquiétez pas, mon petit monsieur. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. Voilà. On va y aller. On va changer ce petit cœur, tranquillement. Meurtre brutal réalisé en seulement 2 minutes 36. Tout se passait tellement bien. Non, non, ça va le faire. Recommencez. Voilà. Ça va bien se passer. On va s'occuper de tout ça. Voilà, ça c'est bon. Ok. Voilà. Voilà, mon petit monsieur. C'est bien ça. Voilà. On va détruire ça comme ça un petit peu. Voilà. Voilà. Mais oui, vous inquiétez pas, mon petit monsieur. J'ai regardé toutes les saisons des Dr. Who's. Je les ai tous vus. Oui, oui, saison 1, saison 2, saison 3. Vous inquiétez pas. Ah bah il a des poumons en pleine santé, mon petit monsieur, ça. Ça c'est un sportif, ça, ça se voit. Voilà, on va mettre ça de côté, bien entendu. Voilà, donc c'est vrai, je vous dis, mais c'est vraiment pas évident, franchement, pour le jeu. C'est pas toujours évident, hein. Vous inquiétez pas, mon petit monsieur, on va changer ce cœur tout de suite. Ça va aller. Voilà, comme ça, attendez, non ça va pas. Ça va pas avec la perceuse. Infirmière épongette là. Pression artérielle. Ok. Ça, ok, c'est parfait. C'est parfait. Ok, très bien. On va. Voilà, on va mettre la lumière comme ça. Ok. Infirmière scalpel. Ok, c'est parfait. Alors, on est parti. Tranquillement. Alors, attendez. Ah merde! Bah je l'ai tué encore, putain, mais c'est pas vrai ça. Vous inquiétez pas, mon petit monsieur, ça va bien se passer. Alors. Voilà. Ah bah ouais, c'est comme ça, c'est la médecine moderne. On opère au laser maintenant. Eh bah oui. Voilà, ça va bien se passer comme ça. Voilà, attendez. Putain, ça va pas le laser. Ça va pas du tout.
ce délire mon vieux. Laisse tomber. Voilà. Ce qu'on va faire, je vais vous dire ce qu'on va faire mon petit monsieur. On va prendre le... Merde putain. Voilà. On va prendre le flacon d'anesthésie. Parce que je vois que votre pression artérielle est en train de monter. Voilà. Putain mais c'est pas vrai ça, merde. Voilà. On va faire une petite anesthésie, vous inquiétez pas. Voilà. Voilà, regardez, la pression est en train de descendre. Sa pression descend. Voilà. Il dort, c'est impeccable. Infirmière, scalpel. Ok. Alors, bougez pas. On va. Voilà. Voilà, c'est impeccable. C'est impeccable. On va prendre ce petit cœur à ce petit monsieur et on va y en mettre un tout neuf. Voilà, bah regardez ça. Regardez ça un petit peu. Voilà, faut bien le mettre, bien entendu. Ne vous inquiétez pas, je vais vous mettre ça aux petits oignons. Ça va être parfait. Scalpel, pince à épiler. Alors, bougez pas. Bien. Alors, bougez surtout pas. Voilà, merde, il nous fait une hémorragie. Voilà, impeccable. Tout a l'air d'aller, il va survivre. Ah bah c'est impeccable, regardez, il y a des petits ballons partout pour fêter ça et tout. Hein? Celui-là, vous pourrez le montrer à vos petits-enfants. Vous pourrez vous le dire. C'est docteur Gelat qui vous a opéré. Alors, hein? Allez, va. Bah. Ok, très bien. Allez, pour fêter ça, mon vieux, tiens. Alors, greffe de cœur, chirurgie, on a eu un B. Donc un B, franchement, c'est plutôt pas mal. On va bien sûr noter ça dans notre petit carnet de docteur. On a eu un B. Voilà. Hein? C'est un joli B, ça. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Je n'avais pas vu ça. Ah, c'est bien fait, franchement. Hein? Ok, d'accord. Bon, et ben c'est pas mal. Oui. 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 Les deux jambes coupées? Oui. D'un coup, c'est sous une roue de tracteur? Oui. Un doliprane matin, midi, soir? Oui. D'accord, très bien. Au revoir. Donc, ok, ça marche. Bah c'est vachement hasardeux les gestes là-dedans. On va passer à une autre opération. Bon bah écoutez, on va se faire une petite greffe de rein. Hein. Inachevé. Ouf, c'est la routine. Allez, vas-y, c'est parti. On retrousse les manches. On se nettoie un petit peu les mains, toujours. Et on va attaquer. Alors, ah bah je vous connais. Vous étiez pas venu vous faire greffer le cœur il y a quelques jours. Ok, d'accord. Qu'est-ce qu'on a comme outil dans la salle? Très bien, on a le laser, on a ça. Ok, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Des greffes de rein, j'en fais tous les jours. Oui, oui, alors, qu'est-ce qu'on a là? Eh ben, il a deux beaux rognons tout neufs, ce petit monsieur. Alors, il va ressortir, ça va être un pétard. Merde, mon vieux, putain. C'est vachement hasardeux les gestes, quoi, c'est ça le problème. Attends, je vais la remettre là. Putain, mais c'est pas vrai. Bah merde, bah je suis obligé de recommencer. Je suis obligé de recommencer, on a pas le choix, là. Bon. Vous inquiétez pas, ça va le faire, ça va le faire. Voilà. Écoutez, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre la perceuse. Oh putain, mon vieux, laisse tomber. Donne-moi la perceuse. Voilà, c'est parti. Vous inquiétez pas, mon petit monsieur. Ça va y aller tout seul. Voilà, voilà. C'est parfait. Oui, oui, bien sûr. Bah, si j'en ai déjà fait, bah, c'est la routine, mon vieux. Tous les matins, je me lève et je fais une petite greffe de rein. Alors, voilà. Voilà, c'est impeccable. C'est parfait. Ok, écoutez, ce qu'on va faire, on va enlever, on va commencer par enlever ce machin là, voilà, on va le mettre, vous inquiétez pas, ah bah je les mets de côté mon petit monsieur, oui vous inquiétez pas, merde, merde, ah bah j'en mettrai un nouveau, j'en mettrai un tout neuf, ça va, ça va, ça va, ah, putain mais ça tient pas aussi, ça se casse la gueule là dedans, c'est pas vrai sérieux, putain il y a tout qui se pète la gueule quoi, vous inquiétez pas, ça va aller, alors, qu'est-ce qu'on a là? Ouh, ça va être une opération très délicate. Je vais vous enlever le rognon, mon petit monsieur. C'est... Merde, putain, j'ai fait tomber le scalpel là-dedans. C'est pas vrai, ça. Mais c'est très hasardeux, les gestes. Hein. C'est vraiment... C'est pas terrible. Hein. Écoutez, je vais faire ça au laser. On va faire ça au laser. Voilà, c'est bon, attendez. Voilà, c'est bon, normalement, je devrais pouvoir choper son rognon. Putain, mais c'est pas évident parce que... Voilà, voilà, ok. Oh oui, effectivement, il est rincé, le bordel.
On va le mettre là, voilà, par politesse, mais hein. Alors, attendez, comment vous voulez que je fasse ça, moi? Vous inquiétez pas, voilà. Voilà, on va mettre votre nouveau rein, mon petit monsieur. Voilà, comme ça. Ça, c'est parfait. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. Écoutez, je vais prendre le petit scalpel. Et on va enlever... Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever... Écoutez, je fais comme je peux, mon petit monsieur. Je vous promets rien. Bah ouais, bah voilà. Voilà, échec de l'opération. Je comprends pas, là. Vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, ça va le faire, ça va le faire. Pression artérielle, tout est ok. C'est en ordre. Il faudrait que j'arrive à choper... Vous voyez, il est là-bas, là. Avec mon gros doigt, j'essaye de... Ah, putain. Seigneur, j'arrive pas à l'attraper. J'arrive pas à l'attraper. Il est trop bas, il est trop bas. Je peux pas. Je peux pas, j'ai les mains coincées, mon vieux. Day 2. Ok, le sang, c'est bon. Le temps, c'est bon. La pression artérielle, tout est ok. On va y aller tranquillement, mon petit monsieur. Infirmière épongette, s'il vous plaît. Ok. Allez, marteau, c'est parti, on y va. Oui, mon petit monsieur, vous pourrez être fier de vous quand vous raconterez cette histoire à vos petits-enfants. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait dans la vie? Ah, bah, vous inquiétez pas, j'ai un petit CAP mécanique. Voilà. 2 ans de plomberie. Eh oui, bah, vous inquiétez pas. Eh oui, les tuyaux d'eau, c'est moi qui l'ai changé. On régule, là. Il perd du sang. Il perd du sang. Voilà, c'est nickel. Voilà. En fait, je vous dis ça parce que je viens de comprendre, là. Il y a un chiffre. Quand il perd trop de sang... Et ben et sinon pour accélérer, faut faire comme ça. Merde. On régule. Voilà, voyez? Ok, là c'est régulé. Très bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre. On va prendre ça, voilà. On va mettre ça dans le gobelet comme ça. Ok, c'est nickel. Donc, infirmière laser. Eh ouais, on est comme ça nous. Eh ouais, c'est la médecine moderne, mon petit monsieur, alors vous croyez quoi? Ok. Il perd un peu de sang. Ça va aller. Ça va pas. Merde, je me suis piqué, putain. On régule. Voilà. Je me fais l'antidote. Ce qu'il faut, en fait, c'est que... Merde, dégage. Ce qu'il faudrait, c'est que je le pique en même temps que je fasse le laser. Voilà. Voilà, vous inquiétez pas, je régule. Je régule. Voilà, c'est parfait. C'est bon. C'est bon, voilà. J'ai enlevé ça. Merde, faut que je régule. Voilà, pression artérielle. Ok, nickel. On va enlever. Donc ça doit être l'estomac, je suppose. Oh, putain, j'arrive pas à l'avoir. Voilà, scalpel, c'est bon. On va prendre la piqûre dans l'autre main. Voilà, ok. C'est parfait. On y va. Alors, du coup, voilà, il va nous falloir ça, c'est parfait. Je pose ça là, mon petit monsieur. Voilà, regardez ça. Hop là, voilà, on va mettre ça ici, comme ça. Ok, tout est bon, tout est en ordre. Ce qu'on va faire, je vais faire ça avec quoi, moi? Ouais, donne-moi ça. Voilà, donne-moi ça. Voilà. Merde. Putain, c'est pas vrai ça. Vous inquiétez pas, ça va le faire. Voilà. Alors. C'est trop gros. Piqûre, voilà. Ok. C'est beaucoup trop gros. On va plutôt faire ça. On va plutôt faire ça au scalpel. Voilà. 3 weeks later. Pression artérielle. 0. Ok. On va mettre. Ok. C'est parfait. Hein? Alors, regardez ça. C'est nickel. Voilà. Il aura le droit à son petit stylo, petit monsieur, s'il est sage pendant l'opération. Ok, donc, ça, tout est bon. Faudrait que j'arrive à dégager. Merde. Faudrait que j'arrive à dégager son grognon. Ok, sans trop rien toucher. Putain, merde. On va essayer de l'avoir comme ça. Je promets rien. Voilà, c'est bon, on l'a. C'est bon, c'est parfait. Ok, parfait. On va y mettre un rognon tout neuf. Voilà, mon petit monsieur. Voilà. Là, c'est bien. Là, c'est parfait. Ensuite, ce
qu'on va faire, voilà, on va essayer d'avoir celui-là bien gentiment. Ok, nickel, nickel, nickel. On régule. La pression sanguine, on régule. Toujours. Ok. 3 minutes 22. Allez, on va l'avoir. On y croit. Putain, donne-moi ce rognon. Je suis gêné par quelque chose. J'arrive pas à l'attraper. Allez, vas-y. C'est pas bon. On va essayer de l'avoir autrement. Voilà, je vais essayer de faire levier comme ça. Merde. On régule. On va essayer de faire levier tranquillement. Voilà. Comme ça, voilà, nickel. Régule. Ok, c'est parfait. On a fait levier. Vas-y, donne-moi ça. Allez. Mais va pas te foutre avec l'autre. Voilà, nickel. On y met un rognon tout neuf. Voilà. Alors, tout a l'air d'aller, il va survivre. Bah, tu m'étonnes. Tiens, fais ton seul, mon vieux. Ah, ça marche pas. Putain, ils sont costauds, les bordels. Hein? Alors, réveillez-vous, c'est fini, mon petit monsieur, là. Hein? Vous pourrez être fiers de vous quand vous raconterez à vos petits-enfants que c'est docteur Jolotte qui vous a opéré. Hein? Alors, goody. Eh ben ça va bien ça, c'est nickel. Ouh, laisse tomber, c'est un truc de malade. Bon les gens, on va s'arrêter ici pour la première partie sur Surgeon Simulator. Je récapitule, Dr Jolotte a fait une greffe de cœur, une greffe de rein, et la prochaine fois, il y aura encore certainement d'autres opérations à faire. Et ça pourrait être cool. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit like, pourquoi pas la partager, ça ferait plaisir. Et puis nous, on se retrouve pour de prochaines vidéos. N'oubliez pas que vous pouvez cliquer sur les côtés, vous avez des petites vidéos qui s'affichent. Donc c'est plutôt cool. Sur ce, à la prochaine. Ciao tout le monde.